l'opposition continue de dire que M. Ouattara n'est pas élu. Il n'a jamais été élu. Parce que le 31 octobre, il n'y a pas eu d'élection au sens constitutionnel ni au sens démocratique du terme. Donc l'opposition continue de dire que M. Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'il renonce à son troisième mandat. Le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui a osé affronter Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, après 40 ans de règne, sans opposant. Son seul opposant s'appelle Laurent Gbagbo, en 90. Un homme comme cela, ce n'est pas pour venir lui dire, mais on l'a déjà jugé à la CPI. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Même votre condamnation d'Abidjan, elle ne peut pas l'effrayer. Quelqu'un qui a vécu la CPI, ce n'est pas la justice ivoirienne, si elle est crédible, si elle est objective, sauf si elle est manipulée. Mais là encore, ça ne passera pas, parce qu'à Abidjan, quelles que soient les manipulations de la justice, le peuple ivoirien ne peut pas rester là, puis Laurent Gbagbo va aller en prison. C'est M. Ouattara qui aime la violence. En Côte d'Ivoire, là, tout le monde le sait aujourd'hui. Depuis 30 ans, ce n'est que la violence. Tous les Ivoiriens le savent. En 92, on sait qu'il a ramassé Laurent Gbagbo, sa famille, toute l'opposition, il les a jetés en prison. Alors, il n'était que Premier ministre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé de méthode. C'est un homme qui est très caractéristique de la violence. C'est sa façon de gouverner. Or, la démocratie, c'est tout, sauf la violence. Bonjour, chers téléspectateurs de La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Merci de vous être branchés très nombreux sur notre chaîne pour nous suivre en direct de New York City. Aujourd'hui, dans notre émission, analyse et décryptage de l'actualité africaine et dans la diaspora. Le thème principal du jour est crise politique en Côte d'Ivoire. Et comme sous-thème, nous allons ensemble avec l'invité parler de la coalition de l'opposition peut-elle obtenir ses revendications à travers le dialogue avec le RDR-RHDP, qui de Conseil national de transition. Et enfin, nous parlerons de Ouattara est-il devenu incontournable dans les jeux de la Côte d'Ivoire. Avec moi, nous allons nous entretenir avec le professeur docteur Gervais Boga-Sako. Il est professeur-chercheur à l'université en Europe, expert et consultant en droit de l'homme et résolution des conflits, ex-membre de la Commission nationale de droits de l'homme de la Côte d'Ivoire, voulais-je dire, CNDHCI. Je disais donc, notre invité, docteur Gervais Boga-Sako, est président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, FIDHOD. Il est écrivain et essayiste. Ensemble avec lui, nous allons essayer un peu de parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. D'aucuns a déploré la situation dans ce pays, ce beau pays d'éléphants qui a défrayé les chroniques avec les élections truquées que tout le monde déplore. La Côte d'Ivoire est victime d'une longue crise latente née de la période de gouvernance de Félix Houphouët-Boigny. Souvent, les analystes et protagonistes feignent d'occulter cette période dans la vie socio-politique de la Côte d'Ivoire. Dans notre émission de ce jour, professeur, nous n'allons pas nous attarder sur la dite période, mais nous tenons à rappeler à des téléspectateurs et téléspectatrices que la crise ivoirienne tourne autour d'une seule personne, attendez, Alassane Dramane Ouattara. Depuis son entrée dans la vie des Ivoiriens en 1994 et son introduction par la France en 2011, la vie dans la sous-région n'est plus paisible. D'aucuns estiment que le moment est venu de mettre fin à cette concession et à la compromission autour des intérêts égoïstes et individualistes en Côte d'Ivoire. L'opposition a appelé au boycott actif de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ne perdons pas de vue que le but était de mettre fin à la pilorie, le préfet de la France et les multinationalistes, Ado et son épouse entourés de leurs affidés. Depuis le 31 octobre, la foudre s'est abattue sur le pays. La communauté dite internationale a de manière timide affirmé ou adressé ses reconnaissances et félicitations au président anticonstitutionnel Alassane Dramane Ouattara, malgré toutes les contestations à travers le pays. Bonjour, professeur Bogo. Oui, bonjour, cher ami Don Kayembe, je crois que c'est comme cela. Oui. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre chaîne de télé dont j'avais déjà entendu parler parce que de plus en plus célèbre aussi.
Et puis, pour moi, c'est toujours une occasion de parler de mon pays, la Côte d'Ivoire, mais surtout de l'Afrique, parce que ce qui se vit en Côte d'Ivoire se vit pratiquement dans l'Afrique de l'Ouest et même dans l'Afrique tout court. Nous sommes toujours sous domination de certaines grandes puissances qui nous ont colonisés hier et qui continuent de piller nos richesses, hélas. Oui, dommage, professeur. Donc, ce qui s'est fait, ça doit être condamné. Et si nous, les fils de l'Afrique et de chacun des pays d'Afrique, on se taisait, donc rien ne va se faire. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Alors, maintenant, je veux commencer avec ma première intervention. Pacom Kouassi appelle à la sécession des désobéissances civiles lancées par la plateforme de l'opposition. Le jeudi 26 novembre 2020, en sa qualité de président de la Coalition des mouvements et associations pour la paix, CMAOP, quel est le bilan des actions menées par l'opposition depuis le 31 octobre à ces jours, notamment le boycott actif du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020? Très bien, merci. Merci pour la question. Si nous devions faire un bilan de cette action menée par l'opposition, je dois préciser que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'opposition n'est plus que politique. C'est une coalition des partis politiques, de certains grands syndicats et des organisations de la société civile. Nous avons fait tous bloc. Pourquoi? Mais simplement parce que M. Alassane Dramane Ouattara a outrepassé, j'allais dire, les limites de ses pouvoirs, mais j'allais dire de sa dictature. Il a atteint un niveau où tous les fils de la Côte d'Ivoire sont obligés de faire bloc. Mais quel est ce niveau-là? C'est que, je ne vous apprends rien, cher ami, tous les pays, qu'ils soient africains ou occidentaux ou asiatiques, sont régis par une loi fondamentale qui s'appelle la Constitution. La Constitution, c'est le contrat social dans lequel toute la nation se retrouve. M. Alassane Ouattara est allé jusqu'à marcher sur ce contrat social qui est la constitution de notre pays, que lui-même il a fait voter en référendum et qu'il a promulgué le 8 novembre 2016. Dans laquelle constitution il est bien marqué à l'article 55 que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Monsieur dit, parce que son candidat choisi a péri, paix à son âme, M. Gon Coulibaly, donc il se voit obligé de violer la Constitution. Et ce qui nous écœure, nous, opposition, avant que je ne termine en répondant très clairement à cette question, c'est la réaction d'un Français, le premier des Français à l'heure actuelle, M. Emmanuel Macron, qui ose dire que M. Ouattara a dû se présenter par devoir. Mais je crois quand même qu'on est tous allés à l'école. Lui qui a fait l'ENA, il sait très bien qu'il y a des principes qui régissent l'État. Ce qu'on appelle le devoir ou ce qu'on appelle l'état de force majeure, ça c'est individuel, c'est personnel. C'est la loi qui est la loi. Dans un état de droit, c'est la Constitution qui est la boussole. Qui est cas de force majeure familiale parce que dans ta famille politique, tu as perdu ton candidat, c'est ton problème. Mais nous, on ne peut pas gérer cela. Voilà pourquoi l'opposition est soudée. Voilà pourquoi, de façon unanime, nous avons fait bloc. Et derrière, toute l'opposition s'est retrouvée derrière deux personnalités, parce que ces deux personnalités-là, sur la liste des 44 candidats, ce sont les deux qui représentent vraiment l'opposition, à savoir le président, l'ex-président Henri Konan-Bédié et M. Pascal Affi Nguessan, président du FPI du président Laurent Gbagbo. Voilà donc pourquoi ces deux personnalités sont devenues les porte-flambeaux de tout le combat que nous menons. C'est un combat pour la survie, pour le respect, pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas un combat d'un individu qu'il s'appelle Bédié ou Gbagbo ou Ouattara. Non, c'est notre pays qui a été bafoué et M. Ouattara nous a humiliés, il nous a insultés parce que ce qu'il a fait là, c'est une haute trahison. Dans un bon état de droit, il devait être en justice. Ah, vraiment. Alors, professeur, je voulais un peu que vous puissiez nous parler un peu du lancement du Conseil national de transition et les appels à la mobilisation. Quel est le bilan jusque-là? Le bilan que nous faisons, mais merci beaucoup de me relancer sur cette question parce que c'était la première préoccupation que vous aviez. Le bilan, c'est que quand l'opposition s'est retrouvée derrière ces deux personnalités,
Notre objectif, c'était qu'il n'y ait pas d'élection le 31 octobre, tel que cela était prescrit dans la Constitution. Pourquoi? Parce que M. Ouattara étant un candidat anticonstitutionnel, validé par le Conseil constitutionnel, on n'était pas d'accord. Donc le bilan, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé le 31 octobre. Mes chers amis, je m'en vais vous dire que le 31 octobre, en Côte d'Ivoire, il ne s'est pas passé d'élection au sens démocratique du terme. M. Alassane Dramane Ouattara s'est retrouvé seul en lice avec un certain Kwadio-Bruno Bertin, mais bon, il n'avait pas fait 1%, donc ce n'est même pas la peine d'en parler. M. Ouattara était seul en lice. Les Ivoiriens ont boycotté l'élection. En fait, ils ont répondu au mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'au centre, à peine 10%, entre 8% et 10% d'Ivoiriens ont participé à l'élection. Et ça, ce n'est pas Dr Boga qui le dit. Tous les journalistes européens, allez-y voir Le Figaro, allez-y voir France 24, tous leurs journaux qui sont proches de M. Ouattara l'ont confirmé. C'est une victoire pour l'opposition. Et c'est à partir de ce moment-là, depuis le 31 octobre, que l'opposition a obtenu une sorte de légitimité de la part du peuple. Parce que c'est 90% des Ivoiriens qui ont refusé d'aller aux urnes, qui ont refusé ce scrutin. Et donc, à partir de là, l'opposition a dit, dès le 1er novembre 2020, Alassane Ouattara n'étant plus président de la République, son mandat étant terminé le 31 octobre, la Côte d'Ivoire rentre dans une transition. Voilà comment est-ce que l'opposition a décrété, a décidé de la mise en place d'un Conseil national de transition dont le président s'appelle Henri Konan Bédié. Et je dois dire que, qu'on l'appelle CNT ou qu'on l'appelle autrement, c'est un moment de transition pour que nous puissions mettre en place tous les instruments qu'il faut pour qu'une élection juste, démocratique, inclusive, c'est-à-dire que tous les candidats qui le veulent se présentent et que les Ivoiriens librement choisissent qui mérite de diriger la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Effectivement, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une perte de temps, professeur, quand il y a des institutions qu'on est en train de fomenter à côté de ce qui est légal, Alassane Ouattara, il a la manette en main, est-ce qu'il va vous laisser tranquille pour mettre en place le CNT? Oui, c'est une très bonne question parce que même la création du CNT au sein de l'opposition a eu quelques petites frictions. Par exemple, le président Henri Konan Bédié, et entre lui et le président Laurent Gbagbo, il y a un petit détail. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo estimait, par exemple, qu'on ne peut pas aller combattre quelqu'un qui est anticonstitutionnel, nous-mêmes en étant illégal. En tout état de cause, le CNT est un moyen de pression. Parce que n'oubliez pas, le CNT est un moyen de pression. La désobéissance civile, là, quand les Martin Luther King ou bien Mahatma Gandhi l'ont appliqué, c'est pourquoi. Mahatma Gandhi, il nous dit que lorsque l'État devient hors la loi, lorsque l'État devient corrompu, la désobéissance civile devient un devoir. Donc ça veut dire quoi? M. Ouattara étant illégal, la Constitution ayant été violée par lui-même, nous sommes dans un univers où on est hors la loi. À partir de là, nous, population, avec l'onction du peuple, on décide de mettre en place une transition. Et puis, c'était un moyen de pression. Et le moyen de pression a marché. Donc, voilà un peu ce que je dois pour dire. Ça a très bien marché, tellement que M. Ouattara a dû courir pour venir rencontrer M. Henri Konan Bédié. Ça s'est passé le 11 novembre 2020 à l'hôtel du Golfe à Abidjan. OK. Alors là, donc ça commence à porter des fruits. Donc, c'est une pression et ça doit être tout azimut pour que les histoires marchent dans ce beau pays d'Afrique. Alors, je continue avec une autre question, professeur. Aujourd'hui, la République de Côte d'Ivoire est confrontée à une crise sans précédent où tout est permis. Les arrestations arbitraires, les détentions extrajudiciaires, les tortures, les enlèvements, voulais-je dire, les assassinats. Peut-on parler encore d'une Côte d'Ivoire sans droit, ni liberté, ou encore ni démocratie? Mais c'est une analyse que je validerai en tant que militant des droits de l'homme. Vous savez, cher ami, dans un état de droit, il y a un certain nombre, il y a d'abord le respect des droits de l'homme et il y a les libertés publiques qui sont garanties. Par exemple, manifester est un droit de l'homme. Mais manifester en Côte d'Ivoire, c'est un droit constitutionnel. C'est l'article 20 de la Constitution de mon pays qui autorise les Ivoiriens à manifester. Mais dès que les gens manifestent, M. Ouattara
Il va les chercher et puis il y a des enlèvements. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que M. Ouattara ne respecte pas sa part d'engagement. Parce qu'il a couru sous la pression de la France. Il est allé rencontrer M. Henri Konan Bédié, le chef de file de l'opposition, le 11 novembre. Et M. Henri Konan Bédié, sans même tenir compte des préalables, parce que les préalables, c'est qu'il y a des leaders de l'opposition qui ont été arrêtés. M. Afin Guessant, M. Dikaoué, Mme Pichéry Balé, tous ces gens sont en prison. Mais M. Bédié dit, pour sauver la paix, parce qu'il y avait déjà près de 150 morts. Il y avait déjà près de 150 morts. Avec cette image horrible qu'on a vue le lundi 9 dans la ville de Daoukro, où un Ivoirien a été décapité par les microbes de Ouattara, et les gens se sont amusés à jouer au foot avec la tête. Vous imaginez ça dans un État au 21e siècle aujourd'hui? Et M. Macron, il s'était tout sur tout cela. Mais bref, donc, à partir de là, lorsque la rencontre a eu lieu, M. Bédié s'attendait à ce que tous les prisonniers soient libérés. M. Alassane Ouattara ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Non, je pense que quelque part, l'opposition a fait preuve de bonne foi. L'opposition a fait preuve de patriotisme. L'opposition a fait preuve de paix, de recherche de paix et de dialogue. C'est M. Ouattara qui ne respecte pas ses engagements. Et donc là, nous avons mis un veto pour dire que le dialogue est suspendu. M. Ouattara ne respecte aucun droit de l'homme. Il ne respecte aucune liberté publique. Il ne fait que poursuivre les gens avec des milices pour les enlever. Donc là, aujourd'hui, il y a un blocage et nous attendons, dans les jours qui arrivent, de passer à une autre vitesse supérieure. Alors, professeur, vous avez dit microbes. Alors, j'ai une question là-dessus. En analysant la situation sécuritaire sur le terrain, les agissements des soi-disant microbes, milices ou mercenaires recrutés dans la sous-région, force est de constater que les recours à la violence et au meurtre sont les pratiques utilisées pour légitimer la psychose et la confiscation du pouvoir par le RDR et HPD. Est-ce que l'opposition compte-t-elle saisir les institutions et le pouvoir judiciaire national, continental, pour reconnaître ces crimes odieux et imprescriptibles? Oui, c'est une question pertinente. Et en tant que militant des droits de l'homme, je suis très à l'aise pour vous répondre là-dessus. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous décrire, tout ce qui s'est passé à Abidjan a été documenté. Heureusement d'ailleurs, et même pour vos confrères journalistes de la France, c'est le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui. Les images sur Internet, les images de l'agissement des policiers et des microbes, tout cela est filmé. Donc la France est en train de légiférer même là-dessus aujourd'hui. Donc tout ce qui s'est passé à Abidjan sous le régime de M. Ouattara a été documenté. Nous avons les images, nous avons les films de tout ce qui s'est passé. Et il n'y a même plus que Dr Boga et la FIDOP, sa structure, qui le disent. Il y a même Amnesty International qui a sorti un rapport pour parler de la gouvernance par les maquettes. Les maquettes. Donc ce qu'on appelle micro, pour vos téléspectateurs qui ne sont pas ivoiriens à New York ou dans le monde, ce sont des jeunes entre 14 ans à 18 ans, 20 ans, qui sont à la solde du régime Ouattara. On a aujourd'hui des informations selon lesquelles il y a des réseaux au sein de son parti qui les recrutent et qui les déplacent en voiture pour aller dans les villes où l'opposition est forte. Et on leur donne des maquettes, certainement ils sont peut-être drogués, on leur donne des maquettes pour aller découper, pour aller s'attaquer aux personnes qui manifestent. Voilà comment ils agissent. Ils l'ont fait dans toutes les villes, c'est le même mode opératoire. Ils l'ont fait à Daoukro, ils l'ont fait à Bonoua, ils l'ont fait à Divo, ils l'ont fait à Mbato. Et donc c'est comme ça que ce jeune homme a été décapité à Daoukro. Donc bref, on a tous les moyens pour cela. Et nous entendons, en tout cas à nous qui sommes militants des droits de l'homme, nous attendons très bientôt saisir les juridictions. Mais même l'opposition ivoirienne, elle n'a pas arrêté de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà, on avait saisi la Cour africaine sur les dossiers de M. Ouattara, sur sa candidature, sur le fait qu'il a éliminé M. Laurent Gbagbo, il a éliminé M. Guillaume Soro, et même sur le fait de la CEI, la Commission électorale indépendante. On a gagné tous les procès. M. Ouattara dit qu'il n'applique rien. Donc, la seule chose qui nous reste, soit on parle pour qu'on s'entende, soit le peuple décide
de l'enlever du pouvoir. C'est tout, on n'a pas autre solution. Franchement, alors je voudrais continuer toujours dans ce chapitre. Où en est-on avec la libération des politiques et militants arrêtés et détenus de manière extrajudiciaire? Alors, juste, merci. Pour un certain nombre de leaders, il y en a qu'on a envoyé à la MACA. La MACA, c'est la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est la grande prison civile d'Abidjan. Donc, des personnalités comme M. Dikaoué, comme avec tous les membres dirigeants du CNT ou bien de l'opposition, ils ont été amenés là-bas. Donc, ceux qui ont été amenés là-bas, comme Mme Pucheric Balé, on connaît où ils sont. Mais quand on prend M. Afin Guessant, il a été enlevé et on l'a mis au secret. On l'a détenu au secret. Ni ses avocats, ni sa famille, ni ses amis, personne ne savait où il se trouvait, ni ses enfants, personne. Et à un moment donné, même, il avait été déclaré mort. C'est lorsque la rumeur sur sa mort a pris, s'est répandue dans toute Abidjan et que les Ivoiriens étaient prêts à descendre dans la rue, que notamment le pouvoir est allé le filmer pour lui dire, il faut qu'il annonce qu'il n'est pas mort. Donc, vous voyez, cher ami, le pouvoir Ouattara joue avec le feu. Parce que en période de crise, tu ne peux pas maîtriser à quel moment le peuple va se soulever. Et je pense que lui qui a accueilli M. Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso, qui a été dégommé du pouvoir en octobre 2014 et qui a fui pour se retrouver à Abidjan, M. Ouattara devrait faire très attention. On peut jouer avec le peuple, on peut ruser avec le peuple, mais le jour où le peuple décide de prendre ses responsabilités, je pense que le jeu va s'arrêter très mal. Voilà, donc ces personnalités, il y en a qui sont arrêtées. Il y a un endroit qu'on appelle Sebroko chez nous, c'est un vieil hôtel qui avait été le siège de l'ONUC, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, était basé dans ce siège-là. Et quand l'ONUC est parti, le siège est resté. Donc le bâtiment est utilisé par M. Ouattara. C'est là-bas que ces milices, quand ils enlèvent les gens, on va là-bas. Et c'est là-bas que c'est le centre de torture, à côté de la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire. Ce sont les endroits où la plupart des personnes, quand elles sont libérées, elles nous font le témoignage. M. Charles Blé Goudé était passé par la DST, où il a été torturé, où il a été caché. On vous met dans un endroit pour vous torturer psychologiquement. Voilà un peu l'état dans lequel ces personnalités sont traitées. Aujourd'hui, on cherche encore les nouvelles de M. Pascal Afingessant, qui est l'un des leaders de cette opposition. Donc, la situation va de mal en pire. Donc, c'est ça la manière ou la stratégie utilisée par le dictateur pour se confirmer au pouvoir. Et cela, ce n'est pas vraiment quelque chose de bon pour le pays qui se veut démocratique. Alors, ce même Ouattara nous donne l'impression qu'il veut marchander avec le cas du président Laurent Koudou-Gbagbo et se montrer incontournable puisqu'il cherche à faire voir que c'est lui ou rien qui peut arranger cette situation-là. Est-ce que l'opposition est-elle prête à exiger la démission et le départ de Ado, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara? Mais c'est le mot d'ordre de l'opposition. L'opposition est droite dans ses bottes. Quand elle a créé le CNT, le Conseil national de transition, mais c'est par défiance. C'est parce que n'oubliez pas, cher ami, que l'opposition est dans une désobéissance civile. Et je rappelle toujours que la désobéissance civile, ça veut dire qu'on ne reconnaît plus les lois sous l'autorité de ce monsieur qui est hors la loi. Donc, M. Ouattara étant hors la loi, l'opposition dit M. Ouattara doit renoncer à son troisième mandat. D'ailleurs, il n'a pas encore prêté serment. Il dit qu'il prêtera serment le 14 décembre. Donc, l'opposition continue de dire que M. Ouattara n'est pas élu. Il n'a jamais été élu parce que le 31 octobre, il n'y a pas eu d'élection au sens constitutionnel ni au sens démocratique du terme. Donc, l'opposition continue de dire que M. Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'il renonce à son troisième mandat. Ça, c'est l'impératif de l'opposition. Maintenant, bon, lui, il va certainement demander aussi que nous, on laisse tomber le CNT et tout ça, parce que je dois vous dire que nous, on avait toujours demandé le dialogue, parce que nous ne sommes pas des vats en guerre. C'est M. Ouattara qui aime la violence. En Côte d'Ivoire, là, tout le monde le sait aujourd'hui. Depuis 30 ans,
Ce n'est que la violence. Tous les Ivoiriens le savent. En 92, on sait qu'il a ramassé Laurent Gbagbo, sa famille, toute l'opposition et les a jetés en prison. Alors qu'il n'était que Premier ministre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé de méthode. C'est un homme qui est très caractéristique de la violence. C'est sa façon de gouverner. Or, la démocratie, c'est tout sauf la violence. La démocratie, c'est tout sauf la violence. M. Ouattara ne connaît autre chose que la violence. Donc nous, on avait demandé le dialogue, on veut la paix, nous sommes dans cette logique-là. Mais M. Ouattara doit renoncer à son troisième mandat s'il veut qu'on parle. Et pour parler, comme il a demandé à dialoguer, il doit libérer tous les prisonniers politiques immédiatement. Et puis en ce moment-là, on peut s'asseoir et puis voir un peu comment on s'arrange pour que d'ici un an ou deux, on fasse une élection juste, démocratique, inclusive et puis apaisée. Voilà tout ce qu'il faut. Mais sinon, le bras de fer peut durer longtemps, mais M. Ouattara ne pourra pas gouverner dans la paix. Voilà. Alors, quand il utilise maintenant le cas du président Gbagbo, chercher à lui envoyer un passeport... Oui. Alors, merci de me le rappeler. En fait, le cas Laurent Gbagbo, parce que la première sortie, cher ami du président Laurent Gbagbo, vous l'avez suivi, M. Laurent Gbagbo est intervenu sur TV5 avec votre consoeur, Mme Hippothé, où M. Laurent Gbagbo a dit clairement que, d'abord, il est avec l'opposition. M. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est démocrate et il est très constant dans sa logique. Toute la Côte d'Ivoire le connaît, toute l'Afrique le connaît, c'est quelqu'un qui s'est battu pour le multipartisme, pour la démocratie toute sa vie. Il a dit à la CPI, ce n'est pas par hasard qu'il a été acquitté et libéré. Très bien. Il a dit clairement qu'il est avec l'opposition. Deuxièmement, il a dit que celui qui a fauté, celui qui a entraîné les troubles jusqu'à ce qu'il y ait aujourd'hui près de 200 morts, il se nomme Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a violé la Constitution. Et M. Laurent Gbagbo a donné pratiquement un cours de démocratie pendant l'émission en disant qu'il faut respecter la Constitution. C'est la base, c'est le commencement de tout homme politique. Et donc, M. Laurent Gbagbo, parce qu'il a dit qu'il faut dialoguer, il a même pris son téléphone pour appeler le Premier ministre de Ouattara. Lorsqu'ils ont mis le blocus devant tous les opposants et on a commencé à les arrêter. Il a appelé M. Ahmed Bakayoko pour lui dire « Ce n'est pas la solution, vous risquez d'entraîner le pays dans le chaos, il faut plutôt mettre bas la terre et puis dialoguer. » À partir de là, M. Ouattara voudrait saisir l'occasion pour donner le passeport du président Laurent Gbagbo, mais en même temps, l'idée qu'il a derrière, c'est de ramener le président Laurent Gbagbo dans son camp. Sauf qu'il ne connaît pas le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui a osé affronter Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, après 40 ans de règne, sans opposant. Son seul opposant s'appelle Laurent Gbagbo, en 90. Un homme comme cela, ce n'est pas pour venir lui dire, mais on l'a déjà jugé à la CPI. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Même votre condamnation d'Abidjan, elle ne peut pas l'effrayer. Quelqu'un qui a vécu la CPI, ce n'est pas la justice ivoirienne, si elle est crédible, si elle est objective, sauf si elle est manipulée. Mais là encore, ça ne passera pas. Parce qu'à Abidjan, quelles que soient les manipulations de la justice, le peuple ivoirien ne peut pas rester là, puis Laurent Gbagbo va aller en prison parce qu'il a pris l'argent de la Côte d'Ivoire qui était à la BCAO pour payer les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire sur la base de ce que le Conseil constitutionnel a dit qu'il a gagné une élection. Donc, le président Laurent Gbagbo est serein, mais M. Ouattara veut l'utiliser pour diviser l'opposition. Mais comme nous connaissons Laurent Gbagbo, nous lui faisons confiance et c'est M. Ouattara qui a tous les problèmes. Voilà. Alors... Monsieur Ouattara est un problème, mais il y a un autre son de cloche, toujours chez les activistes ou les acteurs politiques ivoiriens, pour Pacome Kouassi. Après une profonde réflexion et sur une base d'une vision qu'il a eue, le chef de l'État, Alassane Ouattara, est l'homme qu'il faut actuellement à la tête de la Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit que le président Ouattara est le moindre mal de tout le monde, a-t-il confié. Dans cette dynamique, il s'est félicité de la main tendue du président de la République, Henri Konan Bédié. Il a encouragé le premier responsable de PDCI-RDE à privilégier le dialogue. Il faut aller au dialogue. Cela fait des routes de la communauté internationale. On parle de la main tendue de Ado. Et on se souvient que Ado et Alpha Condé ont été à la manœuvre du dialogue togolais. Un dialogue qui a été à l'avantage de RPT Unir, permettant au bébé Nassimé Edimant Fort à briguer un quatrième mandat. Arrivé au pouvoir en 2005 à la suite de la mort de son père, le justement célèbre Nassimé Edimant Etienne. Le Togo en a eu à ses dépens face au régime cinquantenaire de RPT Unir avec le soutien des CDAO, de la francophonie, de l'Union européenne
et du francophile Nana Addo. En quelle qualité Addo se targue-t-il le devoir d'organiser un dialogue? Peut-on dire que Addo et Alpha Condé sont allés à l'école du régime togolais afin de préparer leur propre situation? Très bien. Merci beaucoup. Donc, je disais tantôt que d'abord, celui qui a parlé là, que vous avez cité. Je ne le connaissais pas. Non. Voilà, je ne le connais pas parce que les affaires de Dieu m'a dit, Dieu dit, il y a même un homme de Dieu chez moi en Côte d'Ivoire, hein, pour ne pas le nommer, hein, le virant Ediemou Blin Jacob, qui disait que M. Ouattara mérite un troisième mandat. Mais aujourd'hui, il se trouve encore des hommes de Dieu, en tout cas sérieux, parce que, vous savez, nous sommes dans un monde qui n'est pas régi par la religion. La République est laïque. Mais à l'intérieur de cette République laïque, toutes les religions ont le droit de prospérer. Donc chacun peut émettre sa vision. Celui-là peut dire, oui, Dieu m'a dit. L'autre va dire, oui, Dieu m'a dit que Laurent Gbagbo va revenir, c'est lui qui sera président. Tout peut se dire. Mais que dit la loi? Dans un état de droit, c'est la loi qu'on interroge. C'est la loi fondamentale qu'on interroge. Donc moi, Dieu a dit, tout ça, c'est la Constitution qui dit que Ouattara n'a pas le droit de faire un troisième mandat. À partir de là, pour moi, tout est bouclé. Et la première Constitution de 2000 et celle du 8 novembre 2016 sont claires là-dessus, ces deux mandats. Et ce que je dis, M. Ouattara lui-même là, tous ses conseillers juridiques, à commencer par M. Cissé Ibrahim Bakongo, qui fut notre ministre de l'enseignement supérieur, qui est le juriste de Ouattara, il a confirmé. M. Ouattara, il a fait une haute trahison, il a menti aux Ivoiriens. Et pour cela, il mérite d'aller en prison. Donc, tous ceux qui disent « Dieu m'a dit là », ça vraiment, moi je suis très croyant, mais dans les matières juridiques, dans la vie d'un état de droit, la religion reste dans le domaine du privé. Voilà. Donc, je voulais vraiment dire cela. Deuxièmement, oui, il y a un club d'amis entre les présidents, même la CDAO. Les instruments comme la CDAO sont devenus des associations de chefs d'État, dans lesquelles on n'a jamais le courage de dénoncer un des leurs lorsqu'il est en faute. Et c'est ahurissant. Regardez, la CDAO a mis en place un protocole additionnel qui a été voté, je crois, en décembre 2001. Un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Dans ce protocole additionnel, il est dit clairement que interdit de manipuler la Constitution pour faire un autre mandat. C'est écrit. Donc, quand Alpha Condé, il viole ça, la CDAO peut même faire une petite recommandation pour dire, M. Alpha Condé, vraiment, avec tout le respect qu'on vous doit, vous avez violé le protocole. On peut le dire, au moins ça, on peut l'écrire. On ne le dit pas. La CDAO vient, M. Ouattara, il est en train de violer la Constitution parce que lui, c'est un cas de force majeure. On ne peut pas le rappeler à l'ordre. Donc, dans quel état sommes-nous? C'est pour ça que finalement, ce qui est meilleur pour l'Afrique, il faut que les peuples se parlent. Les peuples se parlent pour que les peuples se soulèvent contre les dictateurs. Regardez ce qui s'est passé au Togo. Après le père qui a régné pendant combien d'années, on va venir au 21e siècle, M. Fogna Sibé va faire 4 mandats. Mais je ne sais pas, mais c'est ahurissant. Comme si au Togo, en dehors de la famille Nyasimbe, il n'y a personne qui puisse avoir les capacités pour diriger le pays. Et c'est ça qui est notre mal aujourd'hui. Nous sommes des élites, nous sommes des intellectuels. On est allé à l'école, mais il y en a qui nous manipulent comme si nous étions des enfants. Et quand on en parle, il y a des gens comme les Macron qui font des communiqués pour soutenir. Mais je sais que l'Afrique de demain, cher ami, nous ne devons pas désespérer. Nous sommes dans un moment de transition où les nouvelles générations qui arrivent vont mettre de l'ordre en Afrique. Exact. Voilà. Docteur, en tout cas, vous avez touché sur le point de la France. Alors, j'ai une question en relation avec la France. La France est souvent taxée de soutien au régime autocratique sur le continent africain, mais nombreux sont les partis politiques et leurs dirigeants qui sollicitent la même France pour leur venir en aide à accéder au pouvoir. Est-ce que les oppositions en Afrique, puisqu'elles sont nombreuses,
sont-elles différentes des régimes qu'elles prétendent combattre? Très bien. C'est une question qui est pertinente. Elle est pertinente parce que même dans la crise préélectorale en Côte d'Ivoire, j'ai vu des opposants qui ont adressé une lettre à la France, notamment le président Harry Conan Bédier, notamment M. Pascal Affi-Nguessan. Ils ont écrit à la France pour demander à la France d'intervenir dans la crise préélectorale que nous traversions avec M. Ouattara qui voulait briguer un troisième mandat. Donc, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que tantôt, on ne veut pas de l'émission de la France dans nos affaires intérieures, mais tantôt nous recourons à la France. En fait, le mal, c'est que on serait à l'aise si la France n'avait pas une base militaire en Côte d'Ivoire. Le fait que la France a une base militaire dans notre pays, on n'est peut-être pas lié. Premier point. On est lié parce que la force militaire française est certainement mieux outillée que notre armée nationale. Donc, il va falloir à ce niveau-là, si on avait même un président, comme c'était le cas du président Laurent Gbagbo, on peut discuter avec la France sur le fait que l'armée française, c'est vrai qu'il y a des intérêts de la France en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Il faut plutôt aider l'armée ivoirienne à être équipée. Il faut plutôt aider les nationaux à prendre en charge leur propre sécurité et non venir comme un tuteur, comme un parrain, pour assurer leur sécurité comme si c'était des enfants. Deuxièmement, on a une monnaie qui n'est pas la nôtre, une monnaie qui profite à la France. Tant qu'on a ces deux éléments qui nous lient, on est un peu coincé. Donc, cher ami, quand je parle de transition, on est dans une phase transitoire. Vous avez remarqué que toute l'Afrique est en train de se lever contre le franc CFA. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, pour ceux qui l'utilisent, en tout cas le franc CFA. On est en train de chercher à s'en défaire. C'est un combat que nous devons mener et que nous devons gagner. Donc déjà, M. Macron, en Côte d'Ivoire, il a déjà dit clairement que le franc CFA va mourir. Sauf que, avec Ouattara, il a goupillé pour que l'écho que les Africains voulaient créer, ça soit encore la France qui vienne assurer une sorte de garantie. Ce qui n'est pas une liberté, ce qui n'est pas une indépendance. Donc, j'ai soulevé ces deux exemples pour dire que pour qu'on puisse couper avec la France totalement, il faut qu'on arrive à s'émanciper, il faut qu'on arrive en douceur à s'asseoir, à élire un président qui est souverainiste. Il faut un président souverainiste qui puisse parler d'égal à égal avec la France et puis lui dire, mais il y a une troisième solution. La troisième solution, c'est la meilleure. C'est que avant même d'aller discuter avec la France, il faudrait que les dirigeants africains qui sont souverainistes aillent trouver d'autres alliés. D'autres alliés qui vont les aider à assurer leur propre sécurité avant de parler avec la France. Parce que tant que tu n'as pas un soutien autre que la France va toujours vouloir te dominer. Aujourd'hui, la Centrafrique arrive un peu à tenir le coup parce qu'elle a derrière elle la Russie. Même le Mali, avec le renversement de Ibrahim Boubacar Keïta, les Maliens ont pu signer des accords militaires avec la Russie. Voilà ce qu'il faut faire pour que nous puissions enfin dire à la France que sans nous, elle ne sera rien demain, mais nous, on a besoin aussi de se développer. Mais professeur, le problème que j'ai posé, c'est celui-ci. Vous, l'opposition, quand ça ne marche pas, vous recourez à la même France pour légitimer vos condamnations contre ceux-là que la France a mis là-bas. Vous avez dit qu'on a besoin qui écrit à la même France encore. Est-ce que vous êtes différent de ceux-là qui sont leurs élèves qu'ils ont mis au pouvoir? Mais je peux vous citer deux cas qui montrent qu'il y a une différence. Prenez le cas de M. Laurent Gbagbo. Prenez le cas de M. Alpha Condé. C'est deux cas différents. Par exemple, M. Laurent Gbagbo, quand il a été président pendant de 2000 jusqu'en 2010, mais c'est quelqu'un qui a eu tous les problèmes, c'est pour ça qu'il a été bombardé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la tradition, il est souverainiste et il veut privilégier les intérêts ivoiriens. Mais même quand il a commencé avec Chirac, il a commencé à avoir des problèmes. Donc, il n'a pas été radical, il a procédé par négociation pour que ça fasse en douceur. Malheureusement, Sarkozy est arrivé et avec le cas
de M. Ouattara, Sarkozy y est allé fort jusqu'à ce que la France ouvre le feu militaire, les bombes, sur la résidence présidentielle en Côte d'Ivoire et sur des Ivoiriens. Donc voilà un peu, je cite le cas du président Gbagbo pour dire qu'il y a la possibilité que des dirigeants coupent. Maintenant, quand vous prenez le président Ali Konan Bédié, n'oubliez pas que ça c'est une question de culture, c'est une question de culture politique. Le président Ali Konan Bédié est quand même le président du PDCI-RDA qui est un parti traditionnellement à droite. C'est un parti de droite. Et c'est un parti dont le président fondateur a été un ami de De Gaulle. Donc, si vous voulez, par tradition, le président Ali Konan Bédié, là, il était avec M. Ouattara, hein, faut pas qu'on l'oublie, hein, en 2010. Donc, le fait qu'il écrive, c'est pas nouveau. C'est plutôt le fait que M. Afi Nguessan écrive qui peut paraître un peu discutable. Parce que comment quelqu'un qui était à l'école de Laurent Gbagbo peut solliciter la France pour pouvoir régler le litige? Bon, il a ses raisons, mais en tout cas pour le PDCI-RDA, en tout cas pour le président Ali Konan Bédié, on peut le comprendre. Dans sa stratégie, on peut le comprendre. Voilà. Mais en tout état de cause, la mentalité nouvelle aujourd'hui en Afrique, sur le continent, ce n'est pas de chercher du secours dans la communauté internationale, mais c'est de prendre le peuple pour prendre nos responsabilités. Au Burkina Faso, en 2014, ils n'ont pas eu besoin de la France pour se libérer. Au Mali, récemment, ils n'ont pas eu besoin de la France. La France n'a fait que constater. Donc, c'est à nous, Ivoiriens, de prendre nos responsabilités et la France ne fera que constater. Parce que si nous comptons sur Macron, Macron va veiller sur les intérêts de la France. Tout président français, tant que vous l'appelez au secours, il va privilégier ses intérêts. Mais si nous prenons notre indépendance, il va constater. Et c'est à ce moment-là que nous allons lui imposer nos lois et notre façon de voir. Comment on peut discuter d'égal à égal? Voilà, donc vous avez parlé du peuple. Alors, dans toute cette confusion, docteur, que peut faire le peuple étant donné qu'il n'est pas du même sentiment que les politiques? Oui, si le peuple... Mais même, alors, ce qui est intéressant, et ça, en Côte d'Ivoire, on est en train de l'expérimenter. Si le peuple n'est pas du même avis que les politiques, mais c'est le peuple qui impose sa loi. J'ai vu ce qui s'est passé au Burkina Faso lorsque Blaise Compaoré est parti. C'est pratiquement la société civile qui était au devant. Parce que les politiques, il faut reconnaître que après, il y a des tête-à-tête qui se font, et puis après, ça débouche sur le partage du pouvoir. On partage le pouvoir, on partage le gâteau. C'est comme ça que M. Ouattara appelait ça en 2010, pendant l'élection, dans le face-à-face qu'il a eu avec M. Gbagbo le 25 novembre 2010. Il disait, oui, la part de gâteau. Donc, pour les politiciens, diriger le pays, c'est un gâteau. Il faut qu'on se partage les postes ministériels. Chacun prend sa part et puis on est content. Les Africains ne veulent plus de cela. Le peuple devient en réalité un contre-pouvoir. Si bien que quiconque arrive au pouvoir, qui s'amuse avec le pouvoir et qui tisse des deals entre politiques, le peuple est capable de se soulever. Donc voilà un peu le schéma nouveau que les peuples africains vont imposer à leurs dirigeants. La Guinée n'est pas encore tranquille, mais en tout cas le Mali l'a bien fait. Et le Burkina Faso, le peuple est là pour surveiller. Regardez, il faut saluer la dernière élection au Burkina Faso. Depuis qu'ils ont connu leur dernière révolution, ils ont commencé. Aujourd'hui, ils ont eu une élection où le chef de l'opposition a appelé M. Roch Kabore pour le féliciter. Voilà comment l'Afrique, quand le peuple se soulève, les politiques se rangent et ils se tiennent droit. Parce que, et je termine, en démocratie, le pouvoir, il appartient au peuple. Et c'est le peuple qui le prête à des dirigeants politiques pour un temps. Si le dirigeant politique abuse, le peuple reprend son pouvoir, parce que c'est lui le peuple. D'accord. Alors, grand merci, docteur Boga. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur notre plateau. Avant de nous séparer, j'ai une toute dernière question. Dans une minute, dites-nous ce qui vous tient à cœur pour motiver les Ivoiriens et les Ivoiriennes pour s'en sortir de cette confusion. Oui, ce qui me tient à cœur, c'est que la paix
La paix n'a pas de prix. La paix, elle n'a pas de prix. Dans cette histoire, c'est le peuple qui s'est senti blessé. C'est le peuple ivoirien qui a été floué. C'est le peuple ivoirien qui a été trahi par son dirigeant qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et c'est le peuple qui lui arrache sa confiance. Parce que tu ne peux pas aller au Parlement expliquer aux gens que tu ne feras jamais un troisième mandat. Tu ne peux pas réunir le 5 mars 2020 à Yamoussoukro, le Congrès, le Sénat et puis le Parlement pour dire aux Ivoiriens que tu ne feras pas un troisième mandat. Et puis revenir le 6 août et puis dire carrément que oui, finalement tu te présentes. Je pense que les Ivoiriens se sont sentis insultés. Et c'est pour cela que les Ivoiriens sont descendus dans la rue. Je veux rendre ici, grâce à votre média, un hommage au peuple de Côte d'Ivoire. Je veux rendre un hommage à tous ces jeunes qui sont descendus sans même attendre des mots d'ordre de qui que ce soit pour défendre leur constitution. Je veux dire aux Ivoiriens que ce que nous menons comme combat, c'est un combat pour la survie de notre nation. Parce que M. Ouattara va passer. Même M. Laurent Gbagbo passera. M. Bédié passera. Mais la Côte d'Ivoire doit rester. Et les lois de la Côte d'Ivoire, la constitution de la Côte d'Ivoire, c'est l'héritage, c'est le socle sur lequel le pays est assis. Pour rien au monde, nous ne devons accepter que M. Ouattara fasse un troisième mandat dans notre pays. Merci beaucoup et bonsoir. En tout cas, grand merci, docteur Boga. Donc, nous vous disons que vous étiez vraiment un instrument de très haute qualité et de très haute facture pour cette émission et surtout pour le peuple ivoirien qui se recherche encore. Nous consacrerons d'autres émissions sur la Côte d'Ivoire et vraiment, nous recourrons à vous puisque nous voulons éduquer quand même notre peuple qui semble être dans la confusion des politiques. Mais quand nous avons des scientifiques et politiques en même temps, nous donnons de la matière. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir. Chers amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre aimable attention, pour avoir suivi cette émission du début à la fin. L'émission était présentée par votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, de la Voix de la démocratie congolaise depuis New York City. Nous vous rappelons que cette émission a eu le concours rédactionnel et la collaboration de Don Kayembe, votre serviteur, de Yves Ledonou, de Radio Campus à Bruxelles, de Maurice Mouta Glibien Amourin, qui lui aussi est également en Belgique. Donc, c'est une équipe musclée qui cherche à travailler sur le panafricanisme et nous demandons à tous ceux qui nous suivent de partout d'être toujours au rendez-vous avec la Voix de la démocratie congolaise et Panama d'Afrique dans son émission que nous intitulons « Analyse et décryptage de l'actualité africaine et de sa diaspora ». Nous vous demandons d'être toujours à l'écoute de cette chaîne panafricaniste chaque week-end pour nos émissions de tous les pays africains et avec tous les membres de la diaspora. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.